Eliezer House. Et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de The Warcraft Adventure. Aujourd'hui, on va aller au bastion de la garde de la lune pour tenter. Donc ça, on fera ça après. Le plan de Kalec, ce sera pour une prochaine fois, pas pour tout de suite en tout cas. Mais non, ta gueule. Hop. Et ici maintenant, ça ce sera pour après. Et ça c'est pour autre chose. On va s'occuper de ceci. Hein, pour, eh bien... Ok. Pour, eh bien, faire la suite de quête, tout simplement, bastion de la garde de la lune. Qui est quand même assez long. De la boue. Oh. Alors, ce cachet carré et lisse pèse sensiblement plus que sa taille et son aspect ne le laisserait supposer. Vous ressentez un immense picotement dans votre main en le manipulant. Cet objet recèle d'une puissance incroyable. Mieux vaut ne pas le laisser un tel atout tomber aux mains des sacres nuits. Mais écoute... On va faire ça comme ça. Qu'est-ce que je lui ai mis là? Alors, il y en a un là-bas, je crois. Il y en a un devant nous. Genre là, il vérifie quelle magie des arcanes est le plus fort, tu vois. Eh ben, c'est la mienne. T'inquiète que même à 3 contre 1... 3 contre 1, je le jette. Ok. Alors... On fait les petits rituels. On va en profiter pour prendre les coffres aussi qui sont genre juste à côté, tu vois. Genre juste là. On va ship ça. On la shippera elle. Ah bah je suis pas sûr qu'on ait le temps. Qui m'attaque en fait. Je sais qu'il y en a une qui m'attaque, mais je sais pas c'est laquelle. Bon, tant pis. Tant pis. Ok. Bon, polymorph broken, on s'en branle. Oh, encore une quête. Je vous ai observé et je sais maintenant que vous n'êtes pas avec eux. Yvanel, tous discrètement. Mon temps en ce monde est presque révolu. Mais j'aimerais profiter de votre présence pour vous demander quelque chose. Les hippogriffes de la région continuent à se battre bec et ongle pour défendre leur foyer et leurs compagnons. Garde de la nuit. Garde de la lune, pardon. Ah ouais. Alors. Ils ne parviennent pas à accepter que la garde n'est plus. Je vous en prie, montrez-leur qu'ils ne doivent s'en aller. Il faut qu'ils sachent qu'ils n'ont plus aucune raison de se battre ici. Ok. Et alors apparemment, je crois que j'ai oublié quelqu'un ici. Ça c'est le cachet.
Donc ma prochaine cible, elle est où? Ah, c'est bien ce que je pensais. Elle est plus ici en haut. Alors bon, je dois te donner des baffes, apparemment. Congédié, genre... Je te congédie. Toi aussi, je te congédie. Genre, tu lui donnes une tape et tu lui fais, c'est bon, t'es en congé maintenant, tu peux rentrer chez Watt. Rentre chez Watt, frère. Rentre chez Watt. Nous avons échoué. Et voilà. Comme ça, on a les 5. Alors, toi, ta gueule. Merci. Alors, le cadavre que je dois... Ok. Ça, ça devait être des espèces de rampes de lancement. Je dirais pas primitif, mais je dirais plutôt bien pensé, en fait. Ok. Et je ne dois absolument pas la rendre. Par ici, tout se rend en haut. Ok, bah du coup on avance. À moins que ce ne soit ici dedans. Ah ouais, ça va être ici dedans. L'heure des châles d'oreille arrive. Il y a aussi des quêtes bien cool ici. Ils ont probablement débarqué pour annihiler toute puissance. Enfin, quand je dis toute puissance, c'est tout ce qui pourrait nuire à la puissance des sacres nuques. Attention, je vais éternuer, probablement. Eh ben non, en fait. Alors. Lauréat Plumevent. La reconquête du sceau. Qu'est-ce donc ? Vous avez fait preuve de sagesse en évitant que ceci ne tombe entre les mains de nos ennemis, mage. Je crois qu'on peut vous faire confiance. Merci. Savoir qu'ils arrêteront de se sacrifier pour nous m'apporte un certain réconfort. Bon, et en fait, au final, bah, je dois faire le rituel ici, en fait. Alors. Et moi qui pensais que la garde de la lune résistait à tort. Nous aurions dû nous en douter. Ma sœur est morte, mes amis sont blessés et nous allons sans doute périr ici. Je réclame vengeance. Lyrea vous remet une foliole pleine d'un liquide vert brillant. À défaut de pouvoir vaincre nos ennemis, nous pouvons utiliser le bastion contre eux. Les hippogriffes sauvages sont naturellement attirés par l'odeur de liquide contenu dans cette bouteille. Et chacun sait qu'ils se montrent particulièrement violents quand l'objet de leur affection n'est pas un autre hippogriffe. Servez-vous-en pour ouvrir la voie vers le cœur de la forteresse. Oula, pardon. Et je passe comme ça, en mode attaque. Ok. Ouais, ok. J'allais aggro un mob comme ça, genre en mode YOLO, quoi. Alors si je fais ça... Ah, ignoré. Je vais peut-être devoir faire un reload du coup. Ok, je vais faire un reload. Un petit reload ne fait jamais de mal. C'est comme dans le doute reboot, et ben ici c'est la même chose. Dans le load, reload. What the... C'est quoi ce délire? Alors attendez, parce que là on a un petit problème. Je crois que j'ai désactivé... Mais non.
Ça a fait un mauvais reload, je pense. What the... Ah, tu vois? Je me disais bien qu'il y a eu un mauvais reload. Voilà, merci. Alors... Bah du coup, ici, il n'y a plus personne. Nous en manque un là-bas. Hop là. Et bien sûr, il y en a trois qui repop devant ma gueule. Bien sûr. Tremblez devant notre puissance. Ça aurait été trop beau. Alors, oh, attends, on va d'abord prendre ceci. Ok. Alors, je ne vous cache pas avoir éprouvé une certaine joie en entendant s'élever des hurlements sacre nuit. Beau travail. Alors, la faille. J'étais avec Lotrius quand les sacres nuits ont envahi le bastion. Les achevages et lui ont réussi à évacuer la plupart d'entre nous de l'Athanaeum. Mais il s'est retrouvé acculé avant d'avoir pu s'enfuir lui-même. Je sais qu'il est toujours vivant, je le sens. Mais je ne peux y retourner pour le secourir. Mes blessures sont trop graves. De grâce, partez à sa recherche. Je lui dois la vie. Picbec va vous conduire jusqu'à l'endroit où on a vu Lotrius pour la dernière fois. Prévenez-le dès que vous voudriez partir. Faites vite et bonne chance. Ça c'est relou par contre. Voilà. Alors, je ne mourrai pas de mes blessures, mais je me sens bien incapable de me battre. J'ai néanmoins ma petite idée quant à la façon dont nous allons pouvoir nous débarrasser des derniers sacres nuits. Ils ont détruit notre matrice de défense dès leur arrivée et portent encore sur eux des fragments de focalisateurs de sort. Récupérez-les, combinez-les et trouvez un hippogriffe. Ils n'ont jamais quitté le bastion. Ces créatures sont d'une loyauté à toute épreuve. Elles vous emmèneront dans les airs et s'occuperont du reste. Bon. Alors, on va chevaucher Picbec. David Picbeckham. Tiens. Genre, mon jeu de mots, t'as compris. Je veux dire, c'est... Voilà. Un jeu de mots. Là, voilà. Oui, voilà, c'était un jeu de mots. Un jeu de mots. Alors... Où est-ce qu'il va m'amener? Oh non. Juste ici dans la cave. Ok. Alors. Lotrius Mandelune. C'est Serena qui vous envoie? Bien. Elle est donc toujours vivante. Il m'arrive parfois d'oublier à quel point... Tati, 28 000 quêtes ici. Si peu, mais si précieux. Il est grand temps de chasser les intrus. Il existe trois ouvrages d'une importance capitale pour moi et les miens, et je ne peux hélas pas quitter la protection de mes gardiens pour aller les chercher. Ces livres renferment des secrets et des enchantements sur lesquels les sacres nuits ne doivent en aucun cas mettre la main. Lotrius vous touche le front du bout des doigts et les titres des trois ouvrages se gravent dans votre esprit. Même si nous sommes incapables de vaincre les sacres nuits, nous devons préserver tout ce qui peut encore être. Faites vite, Yarder. Ils ont pillé ma bibliothèque, Herder. Très bien. C'est notre savoir qu'ils veulent. Ils vont être servis. Cette rune vous permettra de lancer au sort un sort d'immobilisation. Lorsque les sacres nuits pénétreront dans la zone d'effet, ils comprendront toute l'étendue de la puissance de la garde de la lune. Donnez-leur une bonne leçon. Méfiez-vous. Leurs assemblages paraissent insensibles. Les sacres nuits ont... Les sacres nuits ont investi les lieux. Et... Comme si cela n'était pas déjà assez préoccupant, voilà qu'ils font venir des renforts. Je les ai vus ouvrir d'imposants portails à destination de Suramar. Ils les utilisent pour faire passer leurs assemblages qui sont insensibles à la plupart de mes sorts et représentent donc un obstacle de taille. Pourtant, il nous faut rejoindre les autres. Trouvez ces portails
et fermez-en autant que possible. Cela nous devrait nous permettre de gagner un peu de temps. La garde de la Effectivement. Lune va bientôt disparaître. Alors. Bon, si je fais ceci, et puis que je vous attire vous. Dans la rune. Hop là. Si c'est pas beau ça. Alors, toi ta gueule. On va aller ici du coup, et on va mettre la rune à leur pied. Alors, on va en profiter tant qu'on a la quête, hein. Donc comme ça on a déjà fermé un portail, je crois qu'on a un bouquin pas loin. J'ai fait ces quêtes là en stream. Donc si vous voulez voir déjà le stream, enfin déjà les quêtes, je les ai faites déjà en stream, ces quêtes là. Donc si vous voulez prendre un petit peu d'avance. Alors ici. Cool. Décidément, ça risque d'être bien plus simple que ce que je pensais. Ah bah, il est réapparu, on va pouvoir le fermer encore une deuxième fois. Ok. Alors, ce qui fait que maintenant, on doit aller récupérer encore deux ouvrages. Ok. On a du loot free, j'ai envie de dire. Free from desire. Là n'est pas important. C'est pas important en fait que je le tue ou pas ici en fait. Parce que le but va être de rentrer dans la bibliothèque. Et de les tuer dans la bibliothèque. Voilà, regarde. Hop, tu rentres dans la bibliothèque. Hop. Et ils sont morts. Et voilà. Même pas de loot, quoi. Je pensais que j'aurais un peu de loot. Même pas. Ah ouais. Comme ça, toi. C'est qui t'as à faire ou quoi ici? Et bim, mon gars. Eh ouais. Et bim, et bim, et bim. Alors là, on peut prendre tout le gros pack. C'est pas un problème. Parce qu'on va le faire comme ceci. Bon, sauf le gros trash qui, lui, va devoir être tanké séparément. Ouais, j'aurais dû me méfier. Du gros ZAD. J'ai bien failli causer ma perte. Oh, je vais probablement l'avoir en aggro. Ouais. Mais ça, c'est pas grave. S'il est tout seul, je peux le gérer. Je suis full live, donc normalement, ça devrait être good.
Ok. Alors, et bien sur ce, chers amis, prenez soin de vous, faites bien les geeks, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime, un petit commentaire et de vous abonner. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Salut à tous. Eh. Hey. Si. Tu pourrais t'abonner à cette chaîne. Tu sais, il y a un bouton juste pour cliquer là. Là, en dessous. Oui, voilà, t'y es presque. Voilà. Clique, et tu fais s'abonner. Voilà. Ça, c'est bien.